Voilà, mbote na binonyo so, bana mboka, ba compatriote nyo so, boza branché connecté na www.congodialogue. Wabino Josué Boloa l'international, tu na ba petit écran. To pesi binon mbote, pe to sepeli ning, ndenge nini bozali ko pesi. Attention, na binon na bemission bozo landa biso chaque fois. Monsieur Kilele, yambo biso to sili sa. Nenga ka kwa mwa makaniso mouke, kontre conflit ya mokola pombo na Honoré Ngbanda. Na ebite mwa makaniso ko pesi na ebi ke se parmi les gens oyo. Au respectaka, monsieur Honoré Ngbanda bisi kazali to pesi yon mbote. Et puis na bato nyon su ya parti na yo. Na ebite mwa makaniso ko pesa wana, ba wo sa ndeni po entente zala. Entre Baromi Balé, quoi, sur les deux personnages là. Toi, besoin d'entendre la bangote. Je remercie d'abord le compatriote Ngbanda. Je na féliciter na courage à Zanango. Il y a Kotanga, comme moi, je suis un peu l'un des pions majeurs. Il y a occupation, la souffrance, il y a le peuple congolais. Je pense qu'il a pris du temps pour accommoder à niveau Anna. C'est une bonne façon de restituer le peuple congolais l'histoire et les secrets. Il y a un gouvernement, oui, le Congo appartient à Mobutu Tutsi dans la période. Oui. Et il faut payer à continuer. Mokolo Mpombo, comme il l'a présenté, c'est un traître. Et puis, Batomingi Obasala, dans le service où on a basé un traître. Parce que Bayebi, ce qui se passe. Bayebi comment les Rwandais sont entrés. Nani a facilité Kabango. Ce sont eux qui devaient dire toute la vérité. Nenge Ngbanda assis à l'oba et on a quatre livres naie. Et puis ils ont continué Koloba pendant ces 17 ans presque dans Nakaye. C'est un patriote. Oui, c'est un être humain qui a commis des erreurs. Et il avait demandé pardon pendant un moment. Mais il s'est amendé. Alors nous avons besoin d'un type comme lui dans cette lutte ici. Dans l'andaki, à un certain moment, la semaine passée, na YouTube, Motomoko a critiqué un Congolais qui se fait appeler, je ne sais pas, sénateur Poutine. Je ne sais pas, le nom qu'il a ne lui suffit pas, il doit adopter le nom de quelqu'un d'autre. Un Mouluba comme ça qui s'appelle sénateur Poutine. Comme vous avez authentique, vous avez mal à moté. Vous avez critiqué que nos livres et Ngbanda, ce sont des rapports de la CIA. Mais qu'est-ce que lui entend par un livre? Un livre, c'est quoi? C'est de la matière de papyrus publié, contenant des écrits qui sont le reflet des idées de quelqu'un, que ce soit fictif ou non fictif. C'est ce qu'on appelle un livre. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a critiqué, dit que le livre n'est pas un livre. Il y a un rapport à la CIA. Un recueil poétique, c'est un livre. Une pièce théâtrale, c'est un livre. Un roman, c'est un livre. Tout ça, c'est de la fiction. Le rapport, il y a colloque Moko. C'est un livre. Alors, moi, je ne sais pas comment est-ce que. Tipona a critiqué qui Ngbanda pour avoir un livre. On n'était pas là pour poser la question. Pour avoir un livre, on a un nanani, un Ngbanda. Mokolo Mpombo doit dire toute la vérité aux Congolais. Parce que ceux qui ont lobby au solo, ou armé Batou. Les Congolais ne savent pas que faire parce qu'ils ne sont pas armés de la vérité. Donc, Nasengi Nandeko Mokolo Mpombo, Naba Moussousso Basala na service de sûreté, service de sécurité, Baloba vérité na peuple congolais pour armer le peuple congolais. Boti kako garde ba secret ko koufa na yango, koufa na oyo moni oki kolobate. Mais oh, il y a qui a sauvé Mboka. Loba yango. Et c'est là où je respecte et j'aime M. Ngbanda parce qu'il est le seul parmi tous ces gens-là qui a écrit. Vous savez, le livre, c'est un trésor. Et Mundele, Nyoso, Ming Ming,
avant Koufa, Batika a toujours beaucoup pour les générations à venir. Et c'est ce qui fait la différence entre Bissot et Bango. Bissot, même jusqu'à ce siècle, nous sommes restés dans l'oralité, pendant que Bango, ils sont dans l'écrit. Bozana Batounet et Bamoko Lampombo qui n'écrit rien. Mais il est content que va chanter Yaedo, Yaedo, Maradona, VIP, Bapesa Bakuma Ningwana. C'est lui le Maradona dont on a chanté, non? Okay. Il est content qu'on le chante comme ça. Et Zali ba conflit à Bango Bangbande, ne emema Congo et Sikatozaï Lelo, Nantango ya Mobutu. Il y avait le cas d'Ngbanda. Il y avait le cas de Mokolo Mpombo, le camp de Seth Yale. Ils se sont brouillés entre Bango pour gagner la faveur du feu président Mobutu. Bamoussous qui escroquait, Bamoussous qui trahirait. Ce qui est un livre écrit par mon ami qui est mort, Emmanuel Dungia. Ce qui est un livre de Moko, Ayaka Wananda Konanga. Les Zaki ambassadeur en Afrique du Sud. Après ça, beaucoup n'a mis balé. Moko intitulé Mobutu et l'argent des Zaïre. Je l'ai à la maison. Et avant la publication, Abimisaka Moussousou, la pieuvre tropicale. Ce qui otangi la pieuvre tropicale, ne okomona ba querelle, ba conflit au Zalaka entre Bangbande, entre Batobazé, qu'on entoure Mobutu. Okotanga. Bakerel Nyoso, comme il a écrit, parce qu'il était aussi de service d'intelligence lui-même. Et ils n'ont jamais dit le contraire de ce que mon ami Emmanuel Dungia a écrit. Et c'est à cause de leur conflit là que le Congo est là où nous sommes aujourd'hui. Et après la mort de Mobutu, au lieu de se relever, de corriger, de s'humilier, que c'est notre pays, notre leader est mort, si on te sert à quelque chose. Rien. Ces conflits ont continué jusqu'aujourd'hui. Alors vous voyez Mokolo Mpombo qui se justifie en disant à l'époque de Mobutu, j'ai travaillé pour le Zaïre et ici je ne travaille pas pour Kabila, je travaille pour le Congo. C'est terre à terre. Pendant que ton confrère est en train de dénoncer que tu es un traître, tu fais partie de l'occupation. Au lieu de demander amende honorable à tes compatriotes, tu sors pour raconter des bobards. Mokolo Mpombo, faites un effort pour sauver le Congo. Le Congo t'a tout donné. Tu es ce que tu es à cause du Congo. Faites la même chose aux générations à venir, mon frère. Faites la même chose. Tu n'auras rien perdu. Au lieu de vous convoler à nos avec les occupants. C'est peut-être toi qui devais être président. Tu as tous les atouts. Tu es des services d'intelligence. Si tu voulais être parmi les candidats actuels, mais tu pouvais le faire. Tu es intelligent, tu es instruit. Tu connais le monde. Tu connais comment les services d'intelligence travaillent. Mais au lieu de te cacher, tu es derrière là, hein, hypocritement. Mais tu devais sortir et être candidat pour t'emparer de ce pouvoir, mon ami. Mais fais un effort, mon compatriote. Pourquoi Boulingaka, Botikala, Sima, Batu, Pamba, Pamba, Barwande, Bayakumon et Abiso, alors que Bino Bakulutu, Abiso, Bino Boyebi, tout ce qui s'est passé, Bosaliwana, Bokangi Minoko, vous avez peur, vous voulez Sima, Boliaka, en silence, Bodondoaka, en silence. Mais sortez de là où vous êtes et montrez-nous que vous aimez ce pays. Qu'est-ce que c'est cette histoire avec ce traître, mon Dieu? Monsieur le Président, pour apaiser un peu votre attention, on termine avec le sport. Et juste un mot pour notre équipe Vita Club. Ils sont à la finale de CAF. Le mois prochain, ils vont faire l'aller. Et puis, quelques semaines après, bon, ça la retour. On va gagner 4 à 0. Mais là, on a remarqué que, pour que tout ça la banalise, on a quatre terrains à Bissot. Tant qu'on a gagné 4 à 0, on a joué, je crois, algérien, hein, papa Jean-Marie. Basali débanda donc Égypte plutôt. Basali désordre donc nyati donc infrastructure na bisoana. Ba type na tivundo sanganate. Bon, apparemment selon l'analyse balobi que entraîneur Abi causa tivundo makasi. Amikosi que no ba beta ki mba soki li bende soki mulangi na ba pota.
pour nous avoir un danger aux gens dans le monde. Mais les autres, nous sommes après victoire et vita, étrangers, nous sommes bêta, copains à ce terrain. Et ça manque de respect quand même. Mais tu vas nous soutenir tout le monde au monde. Donc, premièrement, message nous copains à la vita club. Et puis, deuxièmement, nous avons constaté un incident sur les salamans. Félicitations à la vita club. Et nous les accompagnons dans leur chevauchée pour arracher cette coupe. Ça fait un peu longtemps depuis que Vita Club a joué coupe. Nous savons que coupe au Sundown en Afrique du Sud a joué, c'est là qui coupe. Il y a Vita Club. Mais bah dirigeants et équipe on a, ce sont des traîtres, des corrompus. Ont humilié nos enfants, les joueurs et puis bah petit coupe. Na opportunité na équipe et awa. C'est toujours le manque de patriotisme et de nationalisme. C'est ça. Vous voyez ça? Alors félicitations na Vita Club, na staff dirigeant na Bango. Vous avez tout notre soutien et les bénédictions de nos ancêtres. Nous pensons que à la dernière étape comme ça, nous souhaitons que ba dirigeant va trahir binoté. Tango fort, pesa mbongo na bana. Bazoko bundela honneur ya pays ya mboka. Pesa bango mbongo na bango bazoko beta bal. Pesa pe mbongo na entraîneur. Le même entraîneur que nous sommes en train d'insulter chaque fois que Léopard est gagné, tozoko finga mama na ye, tozoko finga ye. Pesa ye mbongo azamu to sa musala. Bo pesa ye mbongo na ye. À travailler malamou coupe et ya namboka. Alors le comportement des joueurs égyptiens na silence na biso prouve plus d'une fois ce que on venait de dire, on n'a pas un gouvernement. Est-ce que le gouvernement devait réagir? Et ce n'est pas la première fois que biloko ndengwa nezoko salama ou une équipe congolaise ou l'équipe nationale même est reconnue quelque part injustice ezo salama contre Bango. Les journalistes ne disent rien et le gouvernement ne dit rien. Parce qu'il n'y a pas un gouvernement. On a perçu un exemple à Awa. En Afrique du Sud, parce que c'est par ici où je suis, il y a une virago, une femme-homme qui est athlète, Caster Semenya. C'est une coureuse, une athlète. Le comité olympique et l'ingé banniraye que Azamoua cité. Parce qu'elle court ensemble avec d'autres femmes. Mais c'est toujours elle qui gagne. Et puis ce côté de musculature naye, na ce qui a été mis devant yo, Azamoubali. Azana ma belle été. Azana ma belle été. Et l'onginaye Azamoubali. Mais Barbuk Azamoua si. Bon, comme ils sont dans la dépravation des mœurs démocratiques dans leur pays. Azali na copine, azana mwasi. Au moins, on a pu mwasi, azana mwasi. Azana mwasi. Donc, il y a azana mwbali, abali mwbali. Azana na, même na bague ya fiançailles, ya mariage. Le comité olympique, au bino, azana ba hormone, et l'équipe hormone ya mwasi. Azali mwbali, azana mwasi, te, il ne peut pas faire la compétition avec les autres. Mais, voyez comment le pays tout entier s'est mis debout. Tout entier s'est mis debout pour défendre leur athlète parce qu'elle défend le drapeau national. Elle défend l'honneur national. Tout le monde, et les journalistes, et n'importe qui, à ça moi aussi, beaucoup qui ont banni l'été, et puis beaucoup qui ont la médaille ou à Zouate, à ça moi aussi. Le comité olympique, les Alliés, stack, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant avec l'Afrique du Sud? Doit-on céder ou pas? Or, il y a des preuves biologiques du laboratoire qui prouvent que Azamoubali. Mais ils ne savent pas. Doit-on la bannir? Doit-on ravir toutes les médailles au gagnant? Mais le pays tout entier, comme je l'ai dit, s'est mis debout jusqu'à présent pour défendre cette femme. Voilà comment un pays, un gouvernement responsable, doit se comporter. Pour l'honneur du pays, on doit faire ça. Mais les joueurs égyptiens viennent, hein? Ils font n'importe quoi sur notre terrain. Et il n'y a même pas la police, même pas le comité olympique, même il y a FIFA, il y a quoi. Écoutez, stoppez ça, ne faites pas ça.
Bakati match même 7 minutes avant. Et on ne dit rien, ce sont des gens, le gouvernement congolais doit en appeler à la sanction. Parce que match est vidé avant. Ils ont l'obligation de terminer le match hein, au moment indu. Bah, terminer en gros, qu'ils soient battus ou pas. Ils ont crié au mauvais arbitrage. Quel mauvais arbitrage? Et pas en gros, parfois, bah, que la bouteille n'a pas de terrain. Donc, le fait qu'on n'a pas un gouvernement, l'honneur du pays ne leur dit rien. Pour eux, c'est voler, aller construire le Rwanda, le Uganda et le Burundi et donner des dividendes à leurs commanditaires, ce qu'ils appellent la communauté internationale ou la communauté internationale ou la communauté de corrompus et de voleurs. Nous n'avons pas un gouvernement responsable. Et vous voyez toujours ce même journaliste là, tel que le Kaboulo, Mora Kaboulo, qui sont là uniquement pour faire des reportages de bas niveau. Il va dire, comme il a dit la fois passée, oh, ce jour-là, on dirait qu'il sait, il a mal dormi et il s'est réveillé. C'est quel français? Donc, Ati Angona Katenga, Alala Kimabe, Alala Kimabe, il a mal dormi. Hein? Kaboulo, retire-toi des micros, dit. Yote, donc, yo, comme nous rouillé. Hein? Retire-toi. Bref, nous n'avons pas un gouvernement. À l'époque de Mobutu, l'air tous en Égypte, 1974, Congo, Zambie. Pa, 2-2. Alors que nous menions de 1. Je me rappelle encore le joueur zambien qui s'appelait, je ne sais pas, Chizunguzu ou quelque chose comme ça, a marqué nil-nil. Mobutu a dit, ce qui boye lingai, mosekate, la Coupe d'Afrique là, bolu kesika bokuzonga, boya awate. Ce qui boye lingai, mosekate, koya awate. Le tokutanaka, d'abord to battre l'Egypte, le tokutanaka en deuxième phase na Zambie. Vous avez vu ce qu'Ndai, Kakoko et les autres ont fait. Voilà. Voilà le nationalisme, le patriotisme. Pas avec des arrivistes qui sont au pouvoir, des gens qui n'ont jamais conduit une voiture, des gens qui n'ont jamais une maison. Du coup, Kanambe leur donne une voiture, leur donne une petite villa avec deux ou trois chambres où ils mettent des climatisations quand il fait chaud. Ils prennent Kanambe pour un dieu et ils trahissent tout un pays. C'est regrettable. Si Kylian devient président, il va tout faire avec la grande diplomatie pour qu'on monte des voitures au Congo parce que nous avons des matières pour fabriquer des voitures. Pas ce que le Rwanda est en train de faire. Nous avons tout ce qu'il faut pour fabriquer une voiture. Nous avons tout, nous avons le tôle, nous avons le cuivre, nous avons tout, tout ce qu'il faut. On regrette Mobutu à l'époque de Mobutu, on a manqué le leadership. Nous devrions être la locomotive de l'économie africaine. Vous voyez ? À ce moment-là, l'Amérique qui avait soutenu Mobutu depuis tout ce temps. Mais le lot est panabiso. La plupart des voitures américaines devaient avoir des usines de fabrication et de montage de voitures chez nous. Au lieu, tu commandes ma voiture et tu es au Japon. Tu as changé le cabinet ministériel. Tu as changé ma voiture et tu as offre d'appel et tu es au Japon, et tu es en Corée, et tu es en France. Mais nous pouvons fabriquer ça chez nous parce que nous avons tout. Nous avons tout pour fabriquer la voiture chez nous. Et dès que nous avons tout, je parlais de créer, de transformer les richesses. Ça devait créer l'emploi aux Congolais. Hein? Des ingénieurs, des mécaniciens, ceci et cela. On devait produire ça et commencer à vendre dans d'autres pays. Mais la plupart des gouvernements que nous avons ne font pas ça. Hein? Parce qu'ils veulent gagner des commissions, ils ne veulent pas créer des ressources et des richesses pour nous tous. Parce que nous avons affaire à des arrivistes. Ah, Monsieur le Président, avant que nous puissions clôturer notre interview aujourd'hui, message M. Lingo Pessa. Na au bazar au niveau politique en Bokana, tel que le monsieur que vous avez cité Mokola Mpombo. Na invité ça ce message quoi qu'on ça parce que bon bazar au ba vétéran dans monde politique. Mais bazo mon appel Mboka ka ningezo kenendingo. Oui, c'est regrettable. Compatriote Mokola Mpombo. Mbote les sous zangai. Jemadare vibikil kilele. Nande konayo na mulega. Attribué bobenga forcément barega na murega na mulega.
En tout cas, je te demande, toi, tu as beaucoup travaillé, que je te tutoie, excuse-moi, mais je dois te tutoyer. Ce n'est pas pour te négliger, mais une façon d'être un peu ami avec toi. Toi, tu es l'incarnation de Mobutu. Tu as beaucoup travaillé avec Mobutu. C'est pitoyable quand je te vois, toi, t'incruster dans les corps d'occupation net lianzi na kati ya nzoto ya batwana ba Rwanda kuza lianzi te zala nzoto bima ozobanga nini oyebi ba réalité nyoso monsieur Mokolo Mpombo Mbanda n'a pas tort. Je le répète. Toi, on a besoin de bana oyote o ba yo kotia makelela ba Martin Fayulu ba Félix Tshisekedi ba Matungulu. Toi, on a besoin de bana wana te. Makasi yo sala siya mabe mokote o sala service israélien mabe mokote. Ozo banga nini? Bima pour travailler pour le pays et non pas pour l'étranger. Ozo banga ba bo mo to nini? La population va te protéger. La population, c'est nous tes frères. Nous sommes ici pour te protéger, pour t'entourer de toute la protection. Yope osali capable de se protéger yomoko. Bozala 3 4 5 6 bino watu osaka na mbutu ke bo bimaka sans être corrompu. Nous ne serions pas là où nous sommes. Yo osali content na mawa penza oyo za na Congo peza na ba Congolais. Tu es content comme ça, tu manges bien, tu te promènes, tu es bien comme ça. Pour toi ça va, ça suffit comme ça. Chacun pour soi, comme on dit, Dieu pour tous. Malheureusement, Dieu n'est pas pour tous parce que dans cette misère interminable, Dieu n'a jamais été pour nous. Hein? Mais si toi tu étais pour nous, je pense qu'on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Ndekonangai, Mokolo Mpombo, la Mouka, Peko Yokela, Lekinayo. Nganda, kandate, atina kingaite. Mais après avoir seulement visionné ma message, naye na yayo, je jugeais bon de te parler. La Mouka, on n'a pas besoin de ces candidats en miniature qui trahissent le Congo. Tu connais toute la vérité sur le Congo. Et si tu veux, téléphone-moi. On peut faire alliance. Le Congo, c'est pour nous. C'est le Congo de Lumumba. Le Congo de Kasavubu, le Congo de Kimpavita. C'est le Congo de Laurent Désiré Kabila. Il a essayé, hein? Il a osé. C'est ton Congo à toi. Monsieur Mokolo Mpombo, c'est mon Congo, c'est notre Congo. Nous devons tout faire pour sauver le Congo. N'ayez peur de personne. Nous sommes là pour le Congo et pour toi. Come out of where you are. Let us smoke them out of our country. Vive le Congo. Merci la coordinatrice Francine Gembe de la Belgique, grand prêtre mère. Merci Nabino Nyonso Banamboka. Tokutani. La conversation continue. Donc on se revoit à la prochaine numéro. Merci beaucoup.